guerre des opérateurs téléphoniques, c'est comme une compétition de football. Au début, personne n'y croit. Vous n'avez pas encore fait vos preuves, pas encore surmonté des grands challenges, pas encore conquis les âmes et les cœurs des populations. Vous vous battez et redoublez d'efforts à l'entraînement, mais les résultats ne sont pas là, et c'est que le public attend. Vous vous battez et redoublez d'efforts, encore et encore, mais seuls les résultats font que les gens y croient. Là, c'est pas bon. Là, c'est le premier but. C'est pas bon. Vous voyez ? Alors, il a raté. Avec les étalons, c'est la crise cardiaque. Je préfère ne même pas les supporter. Depuis plusieurs années, ils vont à la CAN. Le premier tour, ils peuvent pas passer. Chaque fois, nous sommes habitués au premier tour. Il faut cette fois-ci passer au moins ce premier cap-là. Moi, j'ai vraiment décidé de ne plus jamais supporter les étalons. Chaque fois, on supporte. Par fini, c'est la honte. Vous leur donnez confiance. Et ils y vont, et puis après, on vous déçoit. C'est à nous de travailler et aussi de croire nos chances. Et puis un jour, tout change. Les efforts commencent à payer. Il se passe alors quelque chose de formidable. Le public vous soutient et commence à vibrer avec vous. Des rires, des pleurs, de la colère, de la joie, des angoisses, des émotions fortes, des peurs et des émois. Comme transporté, c'est toute une nation qui se met à vibrer à l'unisson. Ces grandes émotions, ces moments forts, ressoudent les âmes et réunissent les cœurs. Enfin, la victoire. Ou peut-être pas. Premier ou deuxième, vous êtes accueillis en héros. L'essentiel et que vous avez transporté tout un peuple, toute une nation, du vieux père au petit garçon, de la femme d'affaires au jeune, du citoyen lambda au président de la République, du fin fond du pays à la diaspora. L'essentiel est que vous ayez fait vibrer le pays tout entier et que vous l'ayez réuni. La téléphonie mobile, c'est comme un match de football. On peut être simplement premier ou deuxième. On a gagné quand le peuple vous porte dans son cœur pour l'éternité et quand vous avez gagné sa sympathie. Si tu es burkinabé, il y a deux cas. Soit tu es un homme, soit tu es une femme. Si tu es une femme, tu es sauvé. Si tu es un homme, il y a deux cas. Soit tu es un supporteur des étalons, soit tu n'es pas supporteur des étalons. Si tu es supporteur des étalons, tu es sauvé. Si tu n'es pas supporteur des étalons, il y a deux cas. Soit tu as un téléphone Airtel, soit tu n'as pas de téléphone Airtel. Si tu as un téléphone Airtel, tu es sauvé. Si tu n'as pas de téléphone Airtel, il y a un seul cas. Rends-toi vite dans la boutique Airtel la plus proche pour être sauvé. Officiel des étalons.